T'es surpuissant. Ouais, clairement. Là, franchement, je fais des dégâts comme pas possible. Alors, je vais d'abord aller. Manque plus que 2 points en damage up. Et tu f... Et je f... Carrément. Et je f... C'est violent. Tu fais 14 de dégâts. Ah ouais. 14 de dégâts, ça. Ça promet. Ça promet. Bon, maintenant il faut encore les avoir les damage up, mais. Ça peut être sympa. Ouais, tu. Ah, c'est un truc de rebelle, hein. Ça. Y a que les super joueurs de Binding of Isaac qui peuvent comprendre ce que c'est de. C'est un truc de malade. J'ai fait tab ou Windows sans faire gaffe. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien ça. Viens par ici mon petit brother Bobby. C'est très très bien ça. Voilà. Manque plus qu'un autre cube of meat. Et c'est nickel. Et en plus de ça j'ai le red patch. C'est à dire que si j'utilise Polyphemus, ça doit faire 30 ou 40 de dégâts. Ouais. Et couplé avec le red patch, ça peut faire ça peut être un vrai carnage. Cette esquive quand même, grâce au fait que je sois tout petit. Là ça va être un peu plus compliqué par contre. Oh là 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 là. Oh, allez sérieusement quoi. Allez sérieux, bon. Mais c'est de la triche, bordel. J'ai plus qu'un demi-cœur en plus. Mais arrête de tourner, tricheur! Bon! Oh, mais punaise, sérieusement, quoi! Oh, tu m'énerves! Tu me saoules, mais d'une force! Allez, fais-moi la paix! Ah, bah, c'est ça, vas-y, fais-moi chier! T'as raison! Oh putain, mais c'est pas vrai! Allez! C'est pas possible, il se fout de ma gueule! Allez, voilà quand même. Bon, non, sérieux quoi. Bon. Encore un peu là. C'était fini, c'était la fin des haricots et tout et tout. Ouais, il me troll, mais complètement, c'est vrai que c'est. Il manquait juste qu'il se promène en faisant. Bon, je vais où? Le shop? Ou le book en dessous là? J'ai pas assez de pièces pour me permettre un truc correct au shop, je pense. Voilà. Là. Ah! Alors ça. Si ça, c'est pas génial. C'est génial. Par contre, le Book of Belial est quand même sympatoche. Hein. Il faut l'admettre. Il est quand même sympatoche. Je sais pas trop en fait. Je vais aller dans le grid. Bien envie d'essayer. Ah, ah non, c'est pas. Non, le grid, c'est le shop, c'est vrai. Je suis bête. Enfin, c'est pas grave. Il se split trop en fait celui-là, il m'énerve. Heureusement que je suis petit et que je suis assez rapide parce que franchement, ça me permet d'esquiver quand même pas mal de trucs.
Tiens, c'est cool. Aïe, dommage. Ok, hop là. Super Envie se divise en 3. C'est comme passer de chenille-point à crise-acier. Ouais. Je n'ai pas trop compris ton délire, très honnêtement. Mais d'accord. Alors, par contre, ça va être coton. Va falloir que je fasse super gaffe. Va falloir que je fasse super gaffe. Allez. Bon, par ici. Ah, ça c'est bon, ça. La chance. La chance de fou. Ok. Je me sens un petit peu mieux, là. Je me sens un petit peu mieux. Oh, putain. Dégâts stupides. Ok, la carte qui fait justice. Pas mal, ça. Sauf pour la bombe troll, évidemment. Alors, c'est-à-dire évolution useless en Envy et Crisacia n'attaque pas. Ah, bah oui. Si Crisacia attaque, il fait armure. Et il fait charge dessus quand même. Bon, on peut pas lui retirer ça. Pauvre petit. T'es méchant avec Crisacia. Hop. Pourquoi je me brûle? Sérieux. Les dégâts les plus stupides qui puissent arriver, je crois. Oula. Il y a du monde. Alors je vais d'abord péter ces trucs là. Voilà. Et ça, voilà. Et puis après, ça, bah. Voilà, et puis comme ça, et puis je lâche une bombe sans faire exprès, bien sûr. Alors, ou charge s'il était chenipan auparavant, oui. Enfin, il a forcément été chenipan, mais vous m'avez compris, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, c'est... Oui, pas si tu le captures, effectivement. Si on le capture, c'est à se demander s'il est pas arrivé comme ça, pouf, en crise acier, parce que c'est débile. Genre, il a pas charge. Ça existe pas. Non. Enfin bon, qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre gris. Il me faut des clés, j'ai envie de tester. Une pilule, super. Avec le red patch, je fais des dégâts. C'est monstrueux. Oh punaise. Voilà, ok, bah j'ai rien de bien terrible, c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'elle fait la pilule? Bah trip, bah merveilleux. Allez, rajoutons-en une couche. Super, comme si c'était pas déjà assez la galère comme ça. Alors je vais aller dans le shop maintenant que j'ai 20 pièces. On ne sait jamais. Ça pourrait toujours être sympa. Alors une pioche pourrie. Une pilule, une bombe, une clé. Super, je vais prendre la clé. Mais à part ça, je vais pas tester la pilule, j'ai pas envie de gâcher 5 pièces. On ne sait jamais. Bon. Eh bien, je vais aller trouver le boss. Je me demande si je vais pas d'abord aller faire la pièce juste à côté. Ouais, j'ai bien fait d'y aller, ils sont assez simples, ça. C'est peu probable que je me prenne des dégâts, voilà. Et du coup, je recharge le book. Comme ça, la salle juste avant va me permettre Minecraft avec la pioche. En fait, tu casses un bloc. Batterie plus cœur gris, ça va pas ensemble. Ben non, effectivement, ça va pas ensemble. À mon grand désarroi, ça ne va pas ensemble. Il y a un rocher bleu, ça c'est très très bien. Voilà, donc non seulement j'ai mon truc, mais en plus... J'en ai encore deux autres, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. C'est nickel. Ouais, utilité zéro effectivement, d'autant que dans certains cas, enfin c'est un gras qui m'a raconté ça, je le crois, je suppose qu'il ne me raconte pas de bêtises. Si un rocher est juste à côté d'un trou par exemple ici, que tu mets une bombe ici,
Eh bien, le rocher va s'étaler sur le trou ici, elle va te permettre de passer au reste, en fait. Va te servir de passerelle, en fait. Et avec la pioche, même pas, il éclate. Point barre, il te sert même pas de passerelle. Donc c'est vraiment l'inutilité à l'état pur, c'est n'importe quoi. C'est parti, on va avoir encore un cube of meat. Donc on va avoir un petit bonhomme qui va tirer. Et ça, c'est très très bien. Faut que je fasse gaffe, celui-là, il est quand même violent. Voilà, avec des home in shot en plus, super. Non, 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 non. Pas question, pas question. Ah, putain. Non, 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 putain, j'aime pas ça. Ok. Mais vas-y, continue, je t'en prie. Mais non, mais faut pas décoller là. Oh, laisse-moi au moins te toucher. Mais putain, non. J'ai l'impression de jouer à Street Fighter avec un noob. Le mec, il fait tout le temps Hadouken, 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 Hadouken. Mais c'est pareil avec lui. Il fait tout le temps la même chose. Non, mais punaise, il faut arrêter, sérieux. Hop là. Aïe. Oh non. Oh non 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 non. Pas bien. Faut pas encore claquer quand même. Non. Oh punaise! Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Ok, donc lui aussi te troll, effectivement. Il me troll aussi. Ce boss est chaud, mais moins que Death, je trouve. Death, il te fiche ce cheater. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense bien, ce sera pas mal. Voilà. Quand même. Je pense que ça serait une bonne idée. C'était pas terrible aujourd'hui. C'était vraiment pas terrible. J'ai réussi deux descentes. C'est vraiment pas terrible. Au niveau des challenges. Ah ouais, mais au niveau des challenges, du coup, ouais, je peux faire de puriste. Vu que j'ai accédé à la cathédrale. J'ai bien envie d'essayer de puriste. Alors, j'en suis où là dans les objets? Il m'en manque pas beaucoup, hein, l'air de rien. Il m'en manque pas beaucoup. Ah non, il y a encore une... Ah non, il y avait encore une page. au pire, tu feras 3 descentes avec Isaac. Non, j'ai pas envie, j'aimerais bien réussir avec tout. Avec tous, je sais pas. Allez, j'ai envie d'essayer de challenge, de puriste. Let's go. Juste, je termine. Je termine avec ça. Barre de vie complètement logique, hein, comme d'habitude. Oh punaise. Ok, une bombe en prime, c'est bien. Oui, j'aime bien l'idée, mais c'est dur. Tu fais ce que tu veux, psycho. On dirait que tu te dis ça à toi-même aussi. Ouais, je me parle à moi-même aussi. C'est normal. J'aime beaucoup me parler à moi-même. Dégage l'araignée! Dégage l'araignée! Fous le camp! Sérieux! Voilà. Alors. Moi, j'ai bien envie d'essayer. J'aimerais bien avoir une clé. Mais non, je récupère une bombe. Bon. Je vais pas me plaindre. Mais il y a mieux quand même. Non, 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 non. Pas toi. Dégage! Voilà. Fous le camp. Puriste, pas de D6, pas de salle au trésor. Ok. Ça, c'est chose, hein.
Bonne chance, effectivement. Et il faut que je réussisse donc jusqu'à la cathédrale, alors. Alors. Ok, jusqu'à la cathédrale. Sans salle au trésor et sans des 6. Super! Ça promet. Faut battre Isaac, je l'ai jamais eu. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Bah, moi je vais le faire parce que je suis le meilleur, voilà. On verra bien ce que ça va donner, ça peut être marrant. En même temps, j'ai dû essayer genre 2 fois. Ouais. Bah oui, oui. Forcément. Une clé, ça aurait été cool par contre. Enfin, non, j'ai que 3 pièces. Non. Je n'aurais même pas. Non. Vas-y, psycho. Bah, on va essayer. On va essayer, on verra bien. Ok, je vais avoir Cube of Meat, c'est pas mal. Tant que j'en ai au moins 2, ça me convient. Zut. Ok. Voilà, nickel. Ok, en même temps, le puriste te donne un objet cheaté. Bah ok, c'est cool. Tu sais ce que c'est comme objet? Alors, tu as vu les boss chelous araignées que t'as eu tout à l'heure? Celui qui se cachait et posait sa patte. Ouais, je vois bien celui qui écrasait sa patte au sol et tout le machin, qui se montrait de temps en temps, mais pas à chaque fois. Et dont je ne savais pas toucher la patte d'ailleurs. Je vois bien. Allez, encore un cœur gris, c'est cool ça. Alors, je. Ah, c'est dégueulasse ça, punaise. J'ai qu'une seule bombe, il y a une. ben, l'item donné par puriste. Roulement de tambour, mesdames et messieurs. T'as une patte qui te suit et te surveille. Oh, sympa ça. Ah, ça peut faire pas mal de dégâts ça. À mon avis. Ça peut être bien cool. Ok. Faudrait vraiment des clés. Des bombes et des clés. S'il y a des ennemis, la patte en écrase. Génial. Rien du tout ici, c'est dommage. Je vais filer vers le haut. Bon bah j'ai des cœurs, au moins c'est pas mal. Faudrait que je motive. Ah, que je me motive, d'accord. Que je me motive pour faire puriste. Ok. Bah. Bah, bonne chance, du coup. Ça a l'air vachement compliqué quand vous l'expliquiez, donc. Bon, je récupère la bombe, donc je me permets. Bam. Zut. Bon, une clé, à mon avis, une clé dans les caca, ça va être compliqué. Ouais, voilà. Comme par hasard, merci. Rien du tout, punaise. Allez, allez, allez. Oh. Ouais, c'est pas mal, mais quand même, quoi.
Ça va pas m'aider à avancer tout ça. Donc du coup, j'ai deux coffres et un shop que je peux pas ouvrir. C'est génial. Super. Super, super. Mais j'ai pas assez de toute façon pour... Bon bah, allez. Je vais ouvrir un coffre quand même. Voilà, j'ai bien envie. Nid de Satan. Pourquoi? Ah ouais, pour avoir un objet, ouais, ouais. Bah j'ai que 3 cœurs donc... Donne-moi un truc. Ok, et ça... super. Si encore elle revenait à chaque fois ces mouches, ça pourrait être sympatoche. Mais là, même pas, quoi. Et en plus, elle s'attaque aux mouches, même pas aux boss. C'est génial. Super. Top délire, hein. Pinaise, quoi. Utilité plus 2. Aïe. Aïe, oh. Non mais arrête de m'envoyer toutes ces mouches, sérieux! Voilà, quand même! Ok, donc ça je peux pas. Hop là, ça c'est bon. Shot speed up, c'est cool. Alors, shop. Spelunker, X-ray, salle secrète et super secrète, item. Epic fœtus. Oui, bon, tu vas un peu loin là, je crois. Faut pas exagérer. Un des bons moyens pour battre puriste, je pense. Oui, ben. On n'y est pas encore. D'accord. Peut-être pas exagérer non plus. Alors, le pacte. Le pacte, le pacte, le pacte, le pacte. J'ai bien envie. J'ai bien envie. J'aurais plus qu'un cœur, mais... Allez, c'est bon, je le prends. Damage up. Let's go. Ok. Donc j'ai pas de clé, donc je pourrais pas, non. Quoi qu'il arrive, y a plus rien. Et j'ai qu'une seule bombe, donc ça me sert strictement à rien, donc je me casse. Hop là. Allez. Oh, évidemment, j'ai pas de carte, bordel. Aïe. Alors, Epic Fœtus, une chance sur 1 million de l'avoir. Effectivement, cool le skin. C'est vrai qu'il a de la gueule quand même. C'est vrai. Qu'il est mignon le petit démon. Il fait un peu émo quand même, je veux pas dire, mais... Allez, drop une clé. Drop une clé, sérieusement. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu as contre les émos? Bah rien du tout. Rien du tout. Je m'en fous. C'est juste qu'il fait un peu émo, c'est tout. Par contre, j'en ai marre. Il me faut un drop. Il me faut quelque chose, quoi. Merde, des clés, quelque chose. Des clés, au moins une clé et de l'argent. Ce serait cool. Mais non, pas une pilule. Regarde bien. Allez, batterie, putain. Encore un cœur gris en moins. Super. Ça c'est bad trip ça. Ouais, super. Une pure merveille. Oh, putain.
Je tiens pas beaucoup de pièces, je les perds en plus avec ça. Merde! Du coup, mon bad trip s'est transformé en full life, quoi. Trop de la balle. Du coup, je suis content, hein. Ah, franchement, là... Punaise. Quel try de merde. Oh là là. Ok. Allez, bam, vas-y, allez. Squall, chanteur de Tokyo Hotel, Edward de Twilight et Mo au bûcher. Ok. Dans le genre radical, toi, te sens pas, hein, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? HP, hop. Je prends, tant pis. Je sais pas ce qui m'attend, mais je prends. Allez, et de 1, c'est bien. Ok, nickel. Alors. Heureusement, je tire vite et fort, c'est déjà bien. Ok, une carte qui fait The Magician, ok. Mon âme pour un HP up, ouais, c'est ça, psycho en mode génie de santé, mais complètement, complètement. Alors, par là, j'y suis pas encore allé, je pense. Non, j'y suis pas encore allé, évidemment, il y a encore des trucs qui vont me faire perdre tout mon argent. Super. Comme si j'en avais déjà pas... Enfin, comme si j'en avais pas... Comme si... Hein? Bon, comme si j'en avais trop. J'arrive même plus à faire des phrases correctes. C'est n'importe quoi. C'est pas grave. Viens par là, toi. Viens par là. Mais souffre. Souffre pour tous tes semblables. Souffre. Super. Bon. Je vais pas aller au boss maintenant. Je vais me faire latter, quoi. C'est pas possible. Oh, punaise. Non. Des cœurs. Donnez-moi des cœurs. Moi, oh non, mais ça peut pas être pire, de toute façon. Bombs are key. Eh ben voilà, j'ai des clés. C'est bien. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Je pourrais au moins avoir une pièce de plus. Juste une. Au secours. Juste une foutue pièce. Une seule et unique. Non? Oh là 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 là. La misère. C'est quoi ce bordel? J'ai jamais vu ce truc. Ah, non. Eh ben moi aussi je peux le faire d'abord, ça va? Tiens. Voilà, na. Ah putain, bon, comment tu voulais que je fasse, sérieux? D'ailleurs, vu la durée des lives, tu pourrais faire des marathons pour les œuvres de charité. Pourquoi pas? Maintenant, j'ai pas le succès, on va dire ça comme ça. J'ai pas le public suffisant pour pouvoir me permettre de faire ça, mais bon. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Hein. Je crois qu'il vaut mieux que j'arrête. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. On va s'arrêter ici. Je pense bien que c'est une bonne chose. Ça ne fait jamais que des heures en plus de live à traiter. Hein. Bon, la renommée, merci Lio. J'en perds mon vocabulaire, c'est n'importe quoi. Donc, alors, Ultra Pride, ça drop la main gauche, transforme tous les coffres en coffres rouges. Sympa. Enfin bon, voilà, on va s'arrêter ici. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous pour le live, pour le prochain live. Il ne risque plus d'y en avoir énormément. Enfin, je veux dire, dans les dernières semaines, les deux dernières semaines, c'est le moment où il y aura le plus de live. Donc, profitez-en, j'ai envie de dire. Parce qu'après, à mon avis, je serai quand même bien moins disponible.
tout dépend de l'évolution de la situation, mais à mon avis, dans un sens comme dans l'autre, je serai bien moins disponible. Et donc, bah, par exemple, un dimanche, faire un live jusqu'à minuit et des trucs dans le style, ça sera pas possible. Donc voilà. Voilà, on verra bien comment les choses vont évoluer de toute façon, mais voilà. Moi, je vous laisse ici. C'était bien, même si je suis revenu en retard. Ouais, c'est pas grave, y a pas de soucis. Ça m'a quand même fait plaisir que tu sois là. Formation, bah oui, on croise les doigts. On verra bien comment ça va aller. On croise les doigts. Mais bon, voilà. Moi, je vous laisse ici. En tout cas, merci, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le live. Merci à vous qui avez regardé la vidéo en différé, probablement 6 mois plus tard sur YouTube. Et voilà, tout simplement. Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous au prochain live, on verra bien. Je sais pas trop quand, mais voilà. Ciao, ciao, merci à tous et bonne fin de soirée, bonne nuit en tout cas. Ciao, ciao.